Je lance mon monde. Voilà, je lance mon monde, je fais un petit de vidéo. Tranquillement, quoi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ouais, mais ça me suit! Merde! Merde! Le concept est très simple de vidéo, je vais devoir survivre à une lave. Voilà. Sachant que du coup, la nourriture, on me donne des trucs cheatés et les minerais. Je me suis dit, vas-y, on peut tenter un truc parce que franchement, je pense que ça peut être dur. Ok, on va faire un petit bois tranquillement. Oula, regardez-moi ça. En soi, si je reste là, ici, là, ça passe. Genre, techniquement, si je reste là, je vais me retrouver sous la lave là. J'ai intérêt d'aller vite, hein. Yo petit mouton, alors écoute, c'est soit tu meurs avec moi, soit tu meurs avec la lave, ok? Ok, thank you. Ça se trouve, tout le truc... Wow, ça fait peur, hein. On va essayer de creuser, le problème c'est qu'il faut creuser vite. Donc là, techniquement, on n'a pas de lave, ok? Normalement. La question que je me pose, c'est parce que la lave, elle va à une certaine hauteur, tu vois. Donc ça veut dire que là, si je creuse archi droit comme ça, je devrais voir de la lave arriver. Du coup, il n'y a pas de lave. Ah, fallait peut-être que je ferme ma gueule. Attendez, pour fun, on va pas reboucher. Voilà, pour le fun, on rebouche pas. Les carottes légendaires. Non, ok, ouais, effectivement, c'est une certaine hauteur. Attendez, on va juste faire ça parce que ben, je veux pas mourir. Voilà, en soi, il me faut un peu de minerai. Voilà, un peu de minerai, j'ai dit. J'aurais pas une petite torche ou quoi? Voilà, pas du tout utile ton saut de lave. Viens, on essaie de creuser comme ça, genre sous nos pieds, genre parce que nous, on est un peu des tarés. Donc, normalement. Hop, les... Ouh. Ah oui, oh merde! Ah oui, ça met là! Effectivement. Oh merde, vite! On a eu chaud. Oh, ça va vraiment, j'espère. Ne vous inquiétez pas, je gère. Let's go, un plastron. Là, on est bien, tu vois. Là, on peut se dire, on peut cramer. Ok, là, on est bien. Là, on est équipé. Là, on commence à être bien. Sauf que vous me connaissez. Moi, j'aime pas les armures. En soi, on va pas prendre les résistances au feu. Ça, vous inquiétez pas. Non, c'est le concept n'a plus aucun sens, quoi. Là, on est. Il y a 20 000 pioches qui spawn. Qu'est-ce qu'on a? On a un parc tranquillement. Nous allons enlever. Fire protection. Ça, ça dégage. Non, on va garder juste des bottes, en fait. Bon, on récupérera des bottes plus tard. Hein. On les récupère, en fait, ici. C'est menti. On récupère des bottes comme ça pour les pieds, ça chauffe. C'est petit comme des chaussettes. Voilà. Alors là, il nous faudrait un diamant. Un casque, hein. En diamant. Hop, on le met. Let's go de l'or. Alors de l'or, il y a quoi dans l'or? Oh là là, il y a combien de minerais? L'épée, je veux voir l'épée. Pas fait exprès. En vrai, pour miner, ça va, tu vois. Donc c'est pas ça qui est le plus drôle, quoi. Parce qu'on mine, c'est bien beau. Parce qu'en soi, c'est miné, tu vois. Là, on est dans les grottes. Du coup, techniquement, le concept est nul. Mais quand on sera un autre dragon, là, on va moins rigoler, hein. J'ai pas de flèches. Arrête! On a 12 earls de perles, ça, c'est pas mal, ça. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. On part rejoindre la liberté. On me dit pas que c'est sur une montagne. Ah, c'est sur une montagne. Bonjour, monsieur. Oh merde! Allez hop, je suis un peu un fou. Oh non. Oh non. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. On va mourir. Je vais creuser un peu ça. Regardez ma puissance. Le creeper me rattrapera pas. Hop, il est touché. What the fuck? Alors les gars, je sais pas trop ce qui s'est passé. Vous vous souvenez des oeils là et tout? Bah ils sont transformés en oeil de Lander, je sais pas trop pourquoi. Comment ça, vous me croyez pas? Donc imaginez, je lance une perle, ça fait quoi? Pas dans la lave, hein? What the... C'est un dangereux psychopathe. Comment je fais pour franchir cette barrière? Allez, on va tenter un truc. Non mais là, je vais mourir là. Voilà. Hop, hop. Oh merde. Le plus je me rapproche. Ça monte en même temps. Hop, allez. C'est bon, on a eu de la chance. Non mais me ramène pas vers la lave. Alors où est-ce que c'est? Ok, c'est par là. J'ai cru que ça allait partir vers la droite. Waouh, en vrai c'est joli, hein. C'est joli, hein. Attends, j'ai peur de la lancer là. Ok, tout droit encore. J'ai perdu mon truc. Je crois qu'elle a cramé. Non. Ok, c'est en dessous. Let's go. Alors normalement, hop, je fais ça. Normalement, là je dois avoir de la lumière. Voilà. La lumière fuit, la lumière veut me tuer aussi. Mais bon. Envie de passer par là avant qu'on meure. Et non, moi je dis que le stronghold, les gars, faut aller à gauche, à droite. Là tu casses deux blocs là. Tu reviens en arrière. Et gauche, droite, gauche, droite. Enfin, tu tombes pas du coup. Voilà. Et là tu regardes gauche, droite, tu retournes. Et après, là en fait, ici tu te dis ah merde, donc là du coup tac tac, là tu casses la porte tout à l'heure à la foutre. Et là effectivement tu te dis ok. Et merde, il est pas là. Ah si. Oh nice, il y en a plein. Hein. Je me suis toujours posé la question, si on me jette genre là, il fait avec quoi? Ok, on le perd à tout jamais. Let's go, j'y vais. Attendez, faut quand même se préparer. What? What the fuck? Bonjour là, j'ai pas. Non, j'ai rien fait là. Le problème qui me casse la tête, c'est que potentiellement on va décéder. Le problème c'est que le dragon. Comment je fais là moi pour survivre? C'est une épreuve de monter. Remettre de l'eau, j'espère, ouais. Mais gros, c'est la mort pour monter. Là, c'est the question à 10 millions. Hein. Hop, hop, hop. Là, faut faire ça. Voilà, faut essayer de semer la lave. Voilà. Ok. On y est bon. Alors, la question que je me pose, c'est que. Faut vite que je vise des trucs. Ok, on est foutu. Ok, on est foutu. Aïe. Mec, ça va être impossible avec la lave après. Touche, s'il te plaît. D'où Jésus. Ok, non, arrête. Oh, pardon, okay, ça va remettre qu'il esquive les flèches. Ok, Dragon, où est-ce que t'es? C'est entre toi et moi, ok? C'est moi, on dirait une arène. Oh putain de merde. Comment tu veux que je batte le dragon avec un lave? On est foutu. Je pourrais plus rentrer dans le portail. Attends, on va essayer d'inonder là. Ouais, on va essayer d'inonder, genre. Tac, tac, tac. On inonde. Voilà, on a inondé un peu le portail. Hop, et là, on passe là. Ok, mort. Là, on repasse là. Là, on repasse là. Et là, on repasse là. Ok, tout va bien. Alors, le problème, que je me pose des questions, effectivement.
Ah, no, no, it's good, man. Je vais mourir. Les gars, c'est impossible. C'est quoi mon concept impossible? Là, je suis mort, en fait. Mais là, faut pas chercher, je suis dead. Attendez, tac, 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 tac. Là, ça monte avec moi, ok? Je vais pas pouvoir tenir 10 minutes. Mais là, je décède, en fait. Ah, bah, j'ai plus de blocs, hein. Ah, bah, oula! Ah, bah, je suis foutu, hein. Non, mais là, là, c'est impossible. Ça se tente, les explosifs? Juste pour voir, hein. C'est juste pour prendre une tête. Ah, moi. Oh, serait-ce la solution? On peut pas poser de blocs. On peut pas poser de blocs, hein. Oh merde, on peut pas poser de blocs. Plus de blocs, moi. Oui, j'y vais mourir. Hein. Et où le dragon? Gros, il est en dessous, le dragon. Moi, je vais le toucher, wesh. Ok. On a une potion de fire résistance au cas où, ok? Là, il est loin, frère. Non! Je peux pas te taper ton cul, là. Oh merde. Et MG sous la lave? Oh non. Vite, non. Non. Bon bah écoutez, je pense que vaincre le dragon comme ça, c'est impossible. Tu as 10 secondes pour battre le dragon. J'espère que vous avez fait cette petite vidéo, c'est une vidéo assez bizarre. C'est mal le monde, hein. C'est un monde de l'apocalypse. Ah oui, ça me suit carrément en type. Ok. Bon, ça peut aller jusqu'à la couche combien, vous pensez? Il y a une limite de hauteur? Ah oui, une limite de hauteur. Okay. Bref, les potes, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Sur ce, je vous dis salut et faites gaffe en l'air parce que quand vous marchez, il y a de l'œuf qui vous suit. Putain, c'est si nul. Oh là, j'ai pas d'inspi. Pas d'inspi. Thank you.